Quoi? Ông chúng tôi dùng ra các hình to cái trong lai can đi tới thì xả mạng cả nâng đòi bị tình ca chúng tôi trong mấy vị cá biết đây luôn chưa dùng phón là mấy miền ông cả to cá tăng một đến đầu cho quân này chấm điền xong chơi. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur Short. Nous allons passer une bonne partie de l'après-midi encore Philippe Short. À explorer cette période. Hier, hier matin, d'ailleurs, aux alentours de dans le procès verbal provisoire entre 10h18 et 10h20, vous avez été interrogé par monsieur le coprocureur sur une réunion dont a parlé Pipoun, que vous avez apparemment interrogé longuement dans le cadre de votre ouvrage. Et vous a demandé si vous avez parlé d'une réunion d'avril 1975. En français, peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais non, cela m'a échappé. Il ne me l'a pas mentionné et personne d'autre non plus. Mais c'est parfaitement crédible. Première question. Est-ce que c'est vous ne vous en souvenez plus ou est-ce qu'il ne vous en a vraiment pas parlé? Chấm lời khiêm cất thà nhóm đôi chuyện nức mừng khơi thà quạt bàn gì thì đừng nút tê nhóm mình sẽ ba và mà rồi thì rồi tê con trai nhóm mình nức khơi về vậy nữa tê nhóm mình cất thà quạt bàn gì tê hay với ai thà nhóm nhóm plek được rồi tạm bất nức nhóm rộng nức mừng khơi nè về đi. D'accord, parce que dans son lors de son audition, une question lui a été posée à ce sujet. Et c'est le procès verbal d'audience E1/97.1. À 11h19, c'est une question qui est posée par Maître Verken sur le fait de savoir s'il avait parlé de cette réunion de début avril 1975 qui concernait celui d'évacuation. Et il répond, j'en ai parlé avec lui. Donc, très bien, j'entends votre réponse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le deuxième point, à savoir que cette réunion dont vous n'aviez jamais entendu parler d'avril 1975, quand le procureur vous fait état de la déposition de Pipoun, vous dites, c'est parfaitement crédible. Alors, ma question c'est, si vous n'en aviez jamais entendu parler, si personne d'autre ne vous en a parlé auparavant, sur quoi est-ce que vous fondez pour dire que c'est parfaitement crédible? Est-ce que c'est parce que c'est Pipoun qui le dit? Sur quoi si vous n'en aviez jamais parlé auparavant et que, comme vous l'avez répondu à monsieur le procureur, monsieur le coprocureur, vous n'avez pas fait d'études sur cette réunion-là, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est parfaitement crédible? Chấm lời chỉ xăm mạnh Phật sân bà lúc xây prạp nhóm rưu có tha ta nà nà prạp nhóm tham nhân kịch phụ chung nợ bộ pram đà nà dây khá tìm xâm mạnh cứ nợ đám khai mê xa nô. Why not? Why should there not have been a meeting there? I don't know about it, but what grounds do I have to doubt that there was a meeting? I'm not saying there was or there wasn't. I'm simply saying I don't have any reason to doubt it, therefore if you tell me there was a meeting, there was a meeting. Xã xây rồi còn lại nam thì miên ca bị chung cứ bật cho đôi nạn nụ thả hỏi. J'en reviens justement à ce qu'on avait évoqué ce matin par rapport à votre travail et par rapport spécifiquement à la question de personnes que vous entendez de nombreuses années après les faits qui, sans spécifiquement, même en étant
d'une parfaite bonne foi peuvent se tromper. Hier, notamment, quand on a parlé du comité central de 1974, vous avez noté que la date de septembre 1974 que vous avez indiquée dans votre ouvrage n'était pas la date exacte, parce que vous êtes confronté par ailleurs, un document de l'État révolutionnaire, situé cette réunion à juin 74. Ma première question sur cette septembre 74, c'est est-ce que c'était sur un pipoune aussi que vous étiez fondé pour parler de cette date-là? Ban pour le moment, mais pipoune, mais l'on est dit que c'était sur un Yes, I was. Voilà, donc typiquement, c'est un exemple où, en parfaite bonne foi, quelqu'un peut vous donner une information qui n'est pas exacte. Et là, je reviens à ce que je vous donnais, enfin, quand je vous parlais de, des informations, c'est au niveau parfois sur certains faits, quand il n'y a pas de recoupement, que dans votre livre, ça apparaît comme une affirmation, il y a peut-être des choses où, en toute bonne foi, on vous a donné des informations qui ne sont pas exactes, il peut y avoir des erreurs. Est-ce qu'on est d'accord quand il n'y a pas de recoupement, effectivement, il n'y a pas de raison d'en douter parce qu'on vous l'a dit, mais c'est dans votre cadre de travail d'historien. Mais devant un tribunal, vous comprenez qu'on puisse demander des garanties supplémentaires. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Oui, je suis d'accord sur ce point. We agree completely. Where things can be cross-checked, they should be, whether for a court of law or for a historian. In that particular case, I was not aware of the reference in revolutionary facts. And I would say more, the great problem with memory is chronology. People usually remember more or less accurately, and sometimes less accurately, what happened. They very often confuse when it One of the great problems of writing about democratic Cambodia, and probably you as a court in judging it, is that to such a great extent you're relying on memory, and documents may be relied on, at least contemporary documents say what they say. Memory is treacherous. I accept absolutely the qualifications you're making, but that applies to history and to all of us. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question, en tout cas des recoupements et des éventuelles vérifications possibles ou pas, selon les cas. Un point sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est que vous avez évoqué la situation du Cambodge à la veille de l'évacuation de Phnom Penh, en parlant notamment des années précédentes. Je sais que vous pensez que même si les bombardements américains ont eu une grande influence sur ce qui s'est passé, ça n'explique pas tout. D'un point de vue purement économique, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en 1975, comme les années précédentes, ça n'avait pas tellement évolué, la situation du Cambodge économiquement était difficile. Il y avait un système agricole particulièrement arriéré. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur cette position? In 1975, the economic situation was worse than difficult because parts of the country were very large parts occupied by the Khmer Rouge. Some remnant parts by Lon Nol. There was tremendous disruption because of the war. I would not say it was because of a backward agricultural system. It was beyond predicament was primarily because of the disruption of warfare. Et comment est-ce que vous qualifieriez alors le système agricole à l'époque? Backward. Chimlai,
economic development in adequate and uneven, certainly, during the years before 1970. Cambodia was not ការស្គាំផលក្រោយសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខនោះទេពីព្រោះថាគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ថាកម្ពុជាកាលនោះក៏ជាប្រទេសក្រីក្រដែលក្នុងលោកគឺថាគឺមានចំនួនបរទេសដើម្បីឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារគឺថានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនគឺថាវិស័យកសិកម្មនៅថយក្រោយប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះគេអាចផលិតអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនគឺថាសេដ្ឋកិច្ចគឺដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែយឺតមិនដូចតែគេចង់បានទេកាលនោះ Toujours sur ce thème de l'économie, Je précise à l'attention des interprètes que je ferai ensuite une deuxième citation à la page suivante. Donc sur cette page aussi, voilà ce que vous dites. Au milieu des années 70, cette approche hermétique du développement, donc, là vous faisiez référence à la thèse de Khieu Samphan, à l'autarcie, etc. Au milieu des années 70, donc, cette approche hermétique du développement ne paraissait pas aussi excentrique que 30 ans plus tard, dans le monde globalisé de l'Internet. Un groupe de sociologues occidentaux, à qui l'on demanda en 1976 de concevoir un projet pour l'avenir de la Thaïlande, proposa un programme qui présentait des ressemblances assez frappantes avec les mesures radicales prises au même moment dans le pays voisin. Relocalisation de l'excédent de la population urbaine à la campagne, confiscation des biens productifs des riches et accroissement des investissements agricoles. Je ralentis parce que je pense que je parle trop vite pour les interprètes. L'autarcie est raisonnable, écrivait la même année David Chandler, doyen des historiens occidentaux du Cambodge. Je poursuis. Sur la page suivante, toujours à l'intention des interprètes. Et c'est au deuxième paragraphe, en tout cas en français. Aucun de ces auteurs n'était de gauche, mais ils étaient tous parfaitement conscients de l'échec des stratégies conventionnelles de développement mises en place au Cambodge dans les années 50 et 60. La prédilection de Sihanouk pour les projets de prestige et les usines clés en main avait illustré de façon éclatante selon les propos de son conseiller français Charles Meyer ce qu'il ne fallait pas faire. Ils étaient prêts à considérer d'un œil favorable des méthodes radicalement différentes. À la lumière de cet éclairage que vous faites sur les idées qui prévalaient sur l'économie et les choses pour développer le pays, je reviens à une réflexion que vous faisiez hier en disant que ce n'est pas que la politique en soi, le but en soi des Khmer Rouges était mauvais, mais c'est les moyens qui ont été mis en œuvre qui ont eu des catastrophes terribles. Est-ce que cette partie de ces recherches de sociologues, d'économistes de l'époque, a nourri votre réflexion par rapport à ce que vous avez dit, au sujet du but qui n'était pas un mauvais en soi. Et c'est une question de la question de la question de la ខ្ញុំឡើងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបាទគោលបំណងគឺមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវគឺបែបនេះមិនបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺក្នុងការអនុវត្តគំនិតនោះទេ J'en viens maintenant à un point que vous avez abordé avec monsieur le procureur hier sur l'évacuation et un point particulier que vous avez évoqué. Alors, vous,
ça va être la page 286. Le RN en français, le 00639825. Et le RN en anglais, 00396494. Et vous dites à propos de l'évacuation, alors j'ai des questions précises, mais je vous demande ce paragraphe qui a déjà été lu hier. Montia et Kusampan furent chargés d'inspecter le point de contrôle de la zone nord après Kdam sur la Nationale 5. Je vais trop vite. Je recommence. Montia et Kusampan furent chargés d'inspecter le point de contrôle de la zone nord après Kdam sur la Nationale 5 pendant que Mok faisait la navette avec le QG de la zone sud-ouest près de Takeo. Hier, interrogé sur ce point, vous avez confirmé à Mme Le Chikartraït que ce n'était pas Kusampan qui vous avait indiqué cela. Vous avez été diplomate, mais vous l'avez été un peu moins dans le cadre de vos notes de bas de page, enfin de fin de livre, en disant que c'était un mensonge de la part de Kusampan. Ma question est de savoir quelle est votre source sur Je suis arrivé un mois plus tard, selon Kusampan. In his interview with me, that is what he said, and that is what's in the footnote. And he gave a similar footnote. I just checked that text again. Ce qu'on disait au départ, à savoir que quand vous parlez X
temps X, beaucoup de temps s'est écoulé depuis le déroulement des faits, avoir une certitude, une exactitude sur l'arrivée du moment, ce n'est pas toujours évident. Je prends un exemple. Dans votre, un autre exemple. Dans votre livre, vous datez l'entrée de Pol Pot à Phnom Penh au 20 avril. Première question, quelle est votre source pour fixer cette date? The inescapable Mr. Pipun. Chimlai Kata, Kilo Pipun, Dalla, and Yakot, no Tudum now, Tuka, Chop, Chitsnet, Chimukot, Munachi Ruite, Pipun, and Yakot. Est-ce que vous avez d'autres sources pour fixer cette date? Talome Pop Saint Tieter, and make them not car by Chata Polpot, but the Joe Mapnum Pin at time of Pay Mesano. I'm hesitating simply because Chimlai Kim Luchis that's the Nogaman Chet. ពីព្រោះថាខ្ញុំអាចនឹងមិនបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានប្រភពផ្សេងទៀតហើយយើងនិយាយទីនេះគឺនិយាយពីការចងចាំរបស់អ្នកអ្នកឆ្លងកាត់អ្នកដែលខ្ញុំបានជួបហើយបើស្រីមេធាវីចុចខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេយល់ថាខ្ញុំវាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយខ្ញុំមិនបានដឹងថា Par rapport à cette date-là, où, si j'ai bien compris, il n'y a que Pipun qui est votre source, vous dites à la note de battage 286, que dans une interview en 1978, un journaliste yougoslave, lui dit être entré à Phnom Penh le 24 avril. Et votre commentaire dans cette note de battage, c'est de dire ce n'est pas vrai, pas parce qu'il avait besoin de mentir, mais parce qu'il n'était pas préoccupé par l'exactitude des faits. Moi, la question que je me pose vous, en tant que chercheur, vous avez vu Pipun X années après les faits, largement après 1978. Vous avez Pol Pot qui dit lui-même en 1978, une évacuation, que le moment de son départ, c'est enfin, de son arrivée à Phnom Penh, c'est le 24 avril. Vous avez d'autres auteurs qui disent le 23 avril. Pourquoi? Enfin, d'où vous tirez cette certitude qui vous permet de dire que ce n'est pas vrai, c'est le 20 avril, à part Pipun, c'est quoi? Et ខ្ញុំ ប្រកាស ថា ជាមួយ ការ សន្ទនា ជាមួយ គាត់ ដែល គាត់ សរសេរ សៀវភៅ បង ទី 1 នោះ គាត់ មិន បាន និយាយ ជាមួយ អ្នក ណា ម្នាក់ ដែល បាន ធ្វើ ការ ឬ ក៏ មាន ការ ងារ អ្វី ជាប់ ជាមួយ ពល ពត នៅ ពេល នោះ ទេ ហើយ អ្វី នេះ គឺ ថា មិន មែន ចេញ ពី ប្រភព ដែល ចេញ ពី ក្រម ខ្មែរ ក្រហម នៅ នៅ ក្រាប នោះ ពេញ ទេ ថ្ងៃ ទី 24 នេះ ខ្ញុំ អាច យល់ បាន ថា 24 មេសា នេះ គាត់ និយាយ ចាត់ ទុក ជា រឿង សាមញ្ញ អំពី ការ ពិត ប្រហែល ជា គាត់ ចង់ ដក ខ្លួន នៅ ឆ្ងាយ ចេញ អំពី ការ និយាយ ពី ស្មាន អំពី ជា ពិសេស រឿង ហេតុ ការ ជម្លៀស ភ្លាម ភ្លាម នេះ ឯង historical situations like this where there is no documentary evidence where, as you rightly say, memory is found up in it, you have to make a judgment. And that judgment is not sure how much difference it makes whether he went on the 20th or the 21st or the 19th. But you have to make a judgment. And that judgment is not sure how much difference it makes whether he went on the 20th or the 19th or the 23rd or the 24th. But I am that a source which was with him and which remembers who remembers going in himself
đến ហើយជូនអ្នកនោះមកភ្នំពេញហើយជូនដំណើរគាត់ពលពតនឹងទៅវិញទៅក្រចេញពីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយមកម្ដងទៀតហើយប្ដូរផ្លូវតាមផ្លូវខាងទៀតមកជាមួយពលពតនេះគឺជាសេចក្តីកម្មជាភស្តុតាងកលតិសៈមួយដែលថាដំណើររឿងនឹងគួរឲ្យជឿបានគឺថាមិនបានឲ្យយើងឆ្ងល់ទេ Nhưng hãy bởi mình miền này là chẳng ngồi bởi rừng nâng khi nhóm có trâu tư chư rừng nâng chẳng đại. Encore une fois, tout à l'heure, nous avons évoqué bà, la question des dates dương lực là ông bà nhà cao bà chát nâng đầm nào ca này ông hai. Sur le déroulement des faits, il n'y a pas de grande différence avec ce que dit Pune en disant d'abord les militaires sont arrivés. You are perhaps right. I should be less categorical in that footnote. However, when you look at the states that the so-called made from 1975 to 1975, they lived in lies, and sometimes no doubt accidentally, when somebody fairly systematically in his public statements and in his interviews distorts the truth. ហើយលោកនិយាយថាស្ថានឯងអះអាងរឿងនេះជាអង្គហេតុមិនដោយ
มันเตรียมตอดชื่อมื้อเนี่ยดะเต้ឥឡូវសូមគិតមើលថាអឺលោកស្រីមើលគឺថាស្ថានភាពនេះมันอาจឲ្យខ្ញុំផលិតเตรียมตอดផ្សេងទៀតទេมันមានប្រភពផ្សេងទៀតទេកាលណាមានប្រភពតែមួយអ្នកត្រូវជឿប្រភពឬក៏អ្នកជឿនិយាយថាអាចអាចនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះឬក៏ថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងការសម្រេចរបស់ខ្ញុំគឺថា ដោយសារប្រភពនឹងគឺថាជឿជាក់ថាគាត់ជឿថាអាចថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ក្នុងសភាខ្ញុំសរសេរខ្ញុំថាខ្ញុំគួរសរសេរថាគាត់អាចមកថ្ងៃទី 20 ទី 23 ទី 24ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវផ្អែកលើប្រភពនេះឯងដើម្បីសរសេរ ដោយតែខ្ញុំជម្រាបតឡាការរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាការបរិឆេទគឺជាទំនាក់ទំនងដែលខ្សោយណាស់និយាយពីការចងចាំអង្គហេតុដែលកើតឡើងយូរដោយតែយើងភាសានេះ me confirmer qu'il s'agissait bien d'un garde du corps et messager, en tout cas c'est comme ça que s'est présenté, il avait les deux fonctions, messager, garde du corps, attaché au service de Pol Pot. Pol Pot, t'as l'occasion de me dire bien d'être D'accord, donc là on parle de la période 75-79 quel était, à Phnom Penh, quel était son grand-père? At that time, he was an aide, a bodyguard, if you like, to Pol Pot. Est-ce qu'il était d'une quelconque façon membre d'un comité central ou d'un comité de direction du PCC? No, he was not. Je vous remercie pour ces précisions. Je reviens maintenant à un deuxième point que vous avez abordé hier avec Monsieur le co-procureur. Et notamment un passage de votre livre qui s'est en anglais, page 313. Et les ERN en français sont 00-396-321 C'est un passage qui vous a également été lu, si je ne m'abuse pas, monsieur le co-procureur. Vous dites, Sampan était également chargé de mission que Pol Pot jugeait trop sensible pour les confier à d'autres. Et là, je suis allé consulter votre note de bas de page. Et vous dites, il y avait toujours Pipoun. Avec l'autorisation de M. le Président,
en Khmer peut-être pour les besoins du public et je sais pas si vous avez Pardon. 00. Bah, en français. Donc c'est E3 bar 182. L'URN en français 00. Bah, le document E3 bar 182. L'URN en Khmer, c'est le 00-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 
of these missions was discussed with him. Khieu Samphong's role in the General Office is attested to by a document which I cite here, which is in the Vietnamese military archives. Delicate missions, I wouldn't wish to go beyond that in terms of characterizing. If I were to say when there was somebody who was under suspicion that Khieu Samphong was asked to go and make an assessment and report back on the situation, it might be so, but I have no specific grounds for saying that. Therefore, I would prefer to remain with the phrase delicate missions politically. Whether it was the main source or whether it was one source, and we also, I also discussed it with people, I really couldn't say. But there were interview sources of whom Song Sikun was one, that I can be certain of. And there are references, as I say, in this document in the Vietnamese military archives, also to Khieu Samphong's role in the General Office. And since you mentioned it, Khieu Samphong was very insistent when we spoke, I'm sorry to have to go into this, but he was very insistent on not having had a role in the General Office. And when someone wishes to obscure a particular part of their activity, it surely is for reasons. Now, that is not a basis for what I wrote. But it is an element in judging the testimony of others. Oui, alors peut-être pour que ce soit plus clair. Quelle était la position de M. Khieu Samphong, en tout cas, sur ce dont on est sûr dans le cadre de cette procédure. Je vais vous citer un passage de son travail au sein de 837. C'est le document E3/37. C'est un document que, en français, le RN est le 00-1-566-681. Et c'est le Monsieur le procureur hier, il s'agissait d'un office du comité permanent. Il n'était composé que de deux personnes, deux collaborateurs, deux collaborateurs, Donc, il parle bien de son activité au bureau de 870. Il parle confirme en fait ce qui est marqué sur le PV du comité permanent que je viens de vous lire. Selon 1870,
Nous serons d'accord sur le fait que vous avez indiqué qu'il n'y avait pas de document officiel parlant d'un remplacement à Dunn. Mais vous avez indiqué qu'il y avait des chances je vais vous reprendre vos déclarations exactes pour ne pas déformer. Excusez-moi un instant. Donc c'était hier. Vers 10h, pour les besoins de la chambre des parties, dans le procès verbal. Alors là encore, c'est en français, donc, avec la distance de la traduction, l'interprétation. Alors, le bureau, un petit point, être officiellement à la tête du bureau ou bien le diriger dans les faits, ce sont deux choses différentes. Après le limogeage de Dunn, aucun nom n'a jamais été cité comme celui de la personne responsable du bureau général. Je pense qu'il est raisonnable de croire que 100 ans avait un rôle important et que cela cadre avec ce qu'on disait sur ses missions en province. Et je parle ici du moment qui a suivi le départ de Dunn. Première question, j'en reviens toujours à la question de l'émission sensible, etc. Thank you, Mr. President. I'm not on my feet to object, and I certainly wouldn't impute to my friend a deliberate omission. But when she read that portion from the Kyusampan interview with OCIJ, at least in English, the sentence didn't come through in full, and I just want to make sure we have it on the record, the two sentences that are of relevance for present purposes. It was one office of the standing committee. It had only two members, J'en reviens à la question de quelles sont vos sources sur les missions en province. Et encore une fois, vous me dites qu'on vous a parlé de missions délicates, mais que vous ne pouvez pas être plus précis parce que je n'ai pas compris si c'est parce que vous ne savez pas si quelles étaient ces missions ou parce que vous n'avez pas eu de détails sur ces missions. Mais est-ce que c'est bien Suong Sikun qui vous aurait parlé de ces missions-là? I have already said that one source, maybe the principal source, and I repeat again, he was a source for that affirmation. I would not wish to go further on delicate missions simply because I do not wish to mislead the court. I feel it is right that I say what I have a reasonable belief of being correct, but to speculate beyond that would be misleading. Oui, parce que
comme vous l'avez dû vous-même souligné, déposé devant cette chambre, et n'a pas parlé de missions sensibles dans les provinces, ni de tâches délicates comme vous le présentez dans votre ouvrage. C'est pour ça que je vous pose consistent testimony in court. À moins que monsieur le procureur ait d'autres éléments à À moins que monsieur le procureur me montre que je me suis trompé, qu'il y a effectivement une déclaration devant la chambre de monsieur Song Suk-kyun parlant de mission délicate. Je ne pense pas avoir mal présenté les choses à monsieur Short. Je continue dans le déroulement de la période. Vous avez parlé de la date d'entrée à Phnom Penh et de vos sources. Nous avons parlé des missions sensibles et de vos sources. J'en viens plus précisément à la question que nous venons d'aborder sur 170 et le successeur, enfin, l'absence de documents sur la succession de Deun au bureau de 170. Ma première question, d'ailleurs, sur ce point, c'est dans le cadre de votre ouvrage sur la biographie de Pol Pot, est-ce que le bureau 870 est un point sur lequel vous avez fait des recherches particulières? Je veux dire, poussé par rapport à d'autres contextes. Not more in detail than other topics because it was a highly secret organization served, if you like, as the nerve center for transmissions from the Standing Committee. I researched it as much as I could, and I think probably as much as anybody else has been able to. For instance, the Vietnamese documents mentioned Phuc Chai, as being a member, Yem, as being a member, you mentioned Yem, Pong, whose full name I think was Chim Sam Ok. Yes, I tried to discover as much as I could about it, but a very secretive organization does not leave a paper trail. Des débats devant cette chambre, il y a plusieurs témoins qui sont venus déposer et certains ont évoqué le bureau 870 et nous avons notamment trois témoins. Alors, Madame Nomsem qui a déposé le 25 septembre 2012 pour les besoins de la Chambre et des parties, transcript PV d'audience E1-126.1. Nous avons également eu un témoin qui s'appelle Eun Tan,
audience du 13 juin 2012, E1-86.1, et nous avons également un certain Savi, qui a déposé le 8 janvier 2013, E1 bar 1.5.6.1, et nous avons également Nam-so-pong, audition du 3 septembre 2012, E1-2.0.1. Et dans le cadre de ces auditions, des questions leur ont été posées sur quelle était la personne en charge du bureau 870 et les noms qui sont sortis de ces auditions. Il y a eu Pong, il y a eu Ken alias Lin, et plus précisément, Madame Nomsam, femme de Lin, indique, donc dans son PV du 25 septembre 2012, E1-126.1, ERN en français 00849695, ERN en anglais 00849 586, ERN en Khmer 00850 4. Et on lui demande qui a donc remplacé Pang dans l'ensemble de ses fonctions après qu'il a disparu et jusqu'en 79. Réponse, le successeur de Pang, ça a été mon mari. Question. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de bureaux K étaient placés sous la supervision de 870. Après le remplacement de Pang par Lin, est-ce que ces bureaux K étaient sous la supervision de votre mari ou d'autres personnes? Réponse. Je vais peut-être un peu trop vite, je vais ralentir. Mon mari était responsable de manière générale du bureau 870. Quant aux autres bureaux, peut-être qu'ils supervisaient d'autres bureaux, mais je n'en sais rien. Ensuite, première question, est-ce que vous aviez déjà entendu que Lin avait pu prendre la suite de Pang, qui lui-même aurait travaillé au bureau 870 après de Pang? Est-ce que vous aviez déjà entendu? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Thank you, Your Honours. We do seem to have a problem again with the selective use of information and facts. One wants to quote every witness that was asked about the Office 870 and what should be complete. Two witnesses in this trial also testified that Khi Sam became the head of 870, there would be born a Kangi Gyu of Agus Dutch. I want to make sure that's on the record so that we're not misleading the expert. That's just what this court has heard. Je ne comprends pas où il y a une mauvaise représentation. J'indique les témoins qui ont déposé, je parle de la femme de M. Lin, et elle indique que son mari a été en charge de 1970. Je rappelle à M. le coprocureur qu'il avait tout loisir de soumettre toutes les informations qu'il voulait dans le cadre de son interrogatoire. Je demande à M. Short s'il connaît, s'il a déjà entendu parler de M. Lin, dont sa femme parle, et pour lequel elle dit qu'il était responsable du bureau 870. Et M. Pipoun, nous y reviendrons tout à l'heure. Pipoun, qu'est-ce que vous avez? Donc je maintiens ma question, excusez-moi monsieur Short, est-ce que vous avez entendu parler de... I heard of Ken. I heard of...
of a man by his name Ken. I did not know he was also called Lin. And my understanding was that he was the head of a messenger unit. I can't remember the code name, but which was attached to 870. I did not hear of him being the head of 870. I must be truthful, I did not hear of Mr. Khieu Somphon being the nominal head of 870, but I did have reason to believe that he played an important role, and that was on the basis both of interview material and of the references in the Vietnamese archives. En parlant de Pipoun, puisque vous avez l'occasion de vous entretenir avec lui, il y a un problème de... C'est bon, vous m'entendez? En parlant de Pipoun, est-ce que Pipoun a évoqué avec vous le fait que Sampan aurait été responsable du bureau 870? To the best of my recollection, no. I would really, you know, I have in Paris the texts of these interviews. I don't have them here. They're not accessible. If I were to go and look, I would be able to give you an accurate answer. But to the best of my recollection, no. Did I ask him specifically? Was Mr. Sampon head of 870? I'm not sure about that either. So I don't want to mislead you. I really can't take that further. Il n'y a pas de problème, Monsieur Short, on ne vous demande pas de vous dire, de dire des choses que vous ne savez pas, il n'y a pas de souci. J'en viens maintenant à un autre point que vous avez abordé hier avec Monsieur le procureur. Vous avez indiqué, il vous a pointé un extrait de votre livre que je veux à nouveau vous relire. Excusez-moi, page 366, c'est la première ligne, et le RN en français, 00-396-535. Et la phrase qui vous a été déjà lue hier, les aveux de trahison étaient nécessaires pour que des hommes comme Leng Sari et Khieu Somphon ont donné lecture lors de réunions du parti à huis clos. Ma question est de savoir quelle est votre source sur ces lectures These were meetings of, for instance, ministry officials, Lawrence Peake, in the manuscript from which the book was taken, writes at some length about them and describes them in particular, meetings in which Yeng Sari read out in complete, and I'm having a blank, but it was another middle-aged woman who I spoke about this, or lived near the Pailin. After the break, perhaps provide you with the name. Ok, il n'y a pas de problème, on y reviendra. Vous parlez de Laurence Peake et de réunion au ministère des Affaires étrangères, là ça concernait Yeng Sari. Moi je souhaiterais, comme dans la phrase, vous mettez les deux hommes, Yeng Sari et Khieu Somphon, qui donnent des lectures des aveux, je voudrais savoir si vous avez un exemple. Now,
No, I have no source for saying the two together. ខ្ញុំថាអ្នកទាំងពីរនឹងបានអានចម្លើយសារភាពនៅអង្គប្រជុំទេហើយពីព្រោះថាកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់របស់គណៈចន្ទ្រៃរបស់មជ្ឈមឬក៏កម្មាភិបាលផ្នែកក្រហមនោះគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយខៀវសំផនពិតជាបានធ្វើជាទឹកដីភាពនៅក្នុងអង្គប្រជុំហើយអៀងសេរីក៏បានធ្វើបែបនោះដែរប្រភពរបស់ខ្ញុំនិយាយថាអនអូកេសិនណឺឱកាសមួយនោះ ដូច្នេះខ្ញុំមិនច្រឡំទេអ្វីដែលលោកសរសេរនោះគឺជាលក្ខណៈទូទៅនៃការសំខាន់ណាស់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគឺថាមិនមានអ្នកណាគេប្រាប់លោកទេហើយលោកសន្និដ្ឋានថាខៀវសំផនតំណងជាអានចម្លើយសារភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយមែនទេអំបញ្ញមិញនេះ ចំឡាយគឺថាកម្មាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្រសួងការបរទេសដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមែនស៊ុនសុខឿនទេពិតជាបាននិយាយទៅរកអង្គប្រជុំដែលគាត់បានចូលរួមដែលគាត់ថាលោកខៀវសំផនបានពិតជាបានអានចម្លើយសារភាពនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះ ដូច្នេះពាន់ទៅនឹងចំណុចនេះគឺថាសឿងស៊ីគឿនមែនទេជាប្រភពព័ត៌មានរបស់លោកនោះ ខ្ញុំឡាយទេខ្ញុំមិនថាមិនថាសួងសឹកឿនទេគឺម្នាក់ទៀតជាកម្មាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលមួយដែលឈ្មោះរបស់គាត់នឹងខ្ញុំមិនទាន់នឹកឃើញនៅក្នុងចុងមាត់នេះឯងបាទបន្តិចអញ្ចឹងពេលឈប់សម្រាកបន្ទាប់ពីសម្រាកវិញយើងនឹងនិយាយចំណុចនេះវិញ ដោយសារតែយើងមិនឈប់នៅម៉ោង4កន្លះដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកប្រធានចង់សម្រាកឥឡូវនេះឬក៏ឲ្យបន្តខ្ញុំបន្តដល់ម៉ោង3ដូចដែលលោកប្រធានបានអនុវត្តកាលពីម្សិលមិញនោះសូមលោកប្រធានសម្រាប់សូមអនុវត្តរហូតដល់ម៉ោង3សូមសម្រាក សូមអរគុណច្រើនលោកប្រធាន J'en reviens à un point que vous avez également abordé hier et sur lequel vous aviez nuancé les propos qui se trouvaient dans votre ouvrage. Je vais relire le passage. Alors, en... Excusez-moi, il faut que je donne vos références. Le RN en français. 00639 941 jusqu'à la page suivante. Et le RN en anglais. 396 579. Et alors là, je vais demander de l'aide de mon équipe pour que vous retrouviez la page dans votre exemplaire. Pour vous, c'est page 371. Vous indiquez... Paul en personne décidait des arrestations les plus importantes après avoir parfois consulté Khieu Samphon. Hier, interrogé sur cette partie, vous avez précisé je vais retrouver vos propos exacts pour ne pas déformer. Excusez-moi un instant. របស់លោកដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យថាខ្ញុំបំផ្លាញសម្ដីរបស់លោកសូមទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចសិនលោកឈុត Excusez-moi monsieur Short, je suis désolé faire perdre le temps à la chambre, j'avais mon petit post-it que j'ai perdu. Excusez-moi.
Je vais retrouver votre formulation exacte un petit peu plus tard, mais... En gros, ce que j'ai compris de votre explication d'hier, c'était que ce n'était pas un choix que vous pensiez que Khieu Samphan prenait les décisions avec Pol Pot sur les arrestations, mais c'était en la logique que vous aviez suivie par rapport au fait que il était, selon vous, en charge des missions sensibles. De ça que vous avez tiré cette phrase, et pas d'exemples précis sur lesquels il aurait discuté avec Pol Pot de ses arrestations. Est-ce que, même si je retrouve les références exactes plus tard, est-ce que c'est bien le sens de ce que vous avez indiqué hier? It is. I remember the discussion that Et est-ce que Duc vous a indiqué s'il avait vu que son père pendant cette période, d'où il tirait cette confusion? Et quand ban ca son than bai nung mau pina da? No, as I said, Philippe Chaud, je pense avoir retrouvé la référence. Vous avez précisément dit à propos donc de la question des arrestations, cette conclusion dans mon livre, consultation peut avoir plusieurs sens. Je voudrais préciser. Alors, était-elle aussi fiable pour que la Chambre puisse s'appuyer là-dessus? Mais le fait est que pendant une certaine période, Pol Pot s'est servi de Khieu Samphan pour faire des missions en province. Khieu Samphan était envoyé pour évaluer une situation dans les provinces et puis revenait en Bourgogne. ហើយក៏តបមកគាត់ក៏បានវិញរាយការណ៍នៅពេលដែលលោកនិយាយបែបនេះគឺលោកនិយាយអំពីការមកពិបាលមជ្ឈមកថ្នាក់កណ្ដាលដែលលោកកំពុងតែរកឈ្មោះតាមមែនទេអ្នកដែលនិយាយលើនេះប្រាប់លោកនោះ He was in the Foreign Ministry. No, sorry, Long Narin. Long Narin, man, man, Narin. Et vous a-t-il dit à quel moment il était en interaction avec Khieu Samphan dans le cadre de son entretien? Interacting is, I think, too strong. He was part of the part of the
We are. Chăm lời, bạn chẳng mèn. Et je suis désolé de rentrer dans les détails, mais est-ce que il vous a dit où aurait eu lieu cette réunion et dans quel cadre? Quand même, pas le cadre, 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 pas Ensemble, le premier document est le document E3-230. Le numéro de RN en français est le 00-301-330. Le numéro en Khmer est le 00000, donc 5 fois 0, 7, 1, 1. Et le RN en anglais est le 00182, 5, 4, 6. Avec l'autorisation de M. le Président, je demanderai la possibilité d'afficher la première page en Khmer et M. le Chat vous confirmez que vous avez le document avec vous. C'est un procès verbal de la réunion du comité permanent la nuit du 22 février 1976. Ils apparaissent comme participants, camarade Van, camarade Von, camarade Kieu, camarade Touk, camarade M, camarade Heim, camarade Dun et camarade Touik. Je sais qu'il y a deux prononciations différentes, je ne me rappelle plus laquelle. Je prie les interprètes de m'excuser. Au point numéro 4 de ce document apparaît le sujet suivant, les aides de 3 millions de dollars de la Yougoslavie. Et en dessous, je pense que ça fait partie des recommandations, proposer d'acheter des médicaments pour 1 million de dollars, notamment des médicaments antipyrétiques, les médicaments de traitement de toutes sortes de virus, tels que les antibiotiques, les médicaments de force et les sérums, etc. Sur ce même document, à la page suivante, point numéro 7 est indiqué la distribution du riz venant des aides de la Chine. Deux points,
proposé de distribuer un certain nombre de riz du côté du super camarade Mout, 5000 sacs, du côté de Kokong, 3000 sacs, la région 25, 2000 sacs, quant au nombre restant, gardé en réserve, et pour usage à Phnom Penh. La première question, vraisemblablement, elle est pas nécessaire puisque vous avez répondu hier, mais je dois quand même vous la poser. Aviez-vous connaissance de ce document que vous auriez pu oublier demain? Yes, I am aware of this document. I spoke loosely and the court misinterpreted me or I misinterpreted the question. I certainly did not say that DK refused foreign aid. I was asked in the context of the food shortage in 1975, and I said no, the DKLRC refused to bring in urgently the relief supplies after the victory. I think I also said, and I should have done, that a certain amount of food arrived at that time from China, whether it was in response to a direct DK request or not, I don't know, but there was a little bit of certain amount that came in. Mien pontae khnong parimaan mien kamrat na taik tuoj. Ça me mène au deuxième document que je voudrais examiner avec vous. C'est le document 2/238. Il s'agit, je pense que vous l'avez eu également. Avec l'autorisation, M. le Président, je souhaiterais qu'on puisse afficher ce document. L'URN en français est le 00446630. Le numéro en Khmer, alors après c'est sur deux pages, donc il faut avoir les pages suivantes, mais c'est 00072. 4, 5, 8, et l'URN en anglais est le 00424112. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du comité permanent du 28 février 1976. A priori, il y a trois participants, en tout cas dans la traduction française que j'ai. Le seul nom lisible qu'on voit, c'est camarade tout. Et l'ordre du jour de la réunion est question relative aux aides de la Suède et de la Yougoslavie. Au paragraphe 1, on parle des aides de la Suède. Et voilà ce qui est dit. Le gouvernement suédois a un projet d'apporter des aides à l'Angola, à la Somalie et au Cambodge pour 1976 et 1977, avec une somme de 180 millions de couronnes, soit 40 millions de dollars. Ensuite, je passe au paragraphe 2. Les aides de la Yougoslavie. Le gouvernement yougoslave nous a accordé 4 millions de dollars, mais il en a déjà dépensé 1 million pour acheter des couvertures et des médicaments. 15 000 couvertures nous ont été envoyées via Pékin. Il nous demande si nous les avons déjà reçues. Donc ça, c'est pour, a priori, un document qui indique qu'il y aurait a priori des aides de la Suède et de la Yougoslavie. Donc là encore, est-ce que vous étiez au courant pendant la période du Kampuchea démocratique de l'aide apportée par ces pays durant cette période? Yes, I was. When I was in Beijing in the period of Khmer Dang, I knew that it was not something that was kept secret.
Je poursuis toujours sur le même document, puisque nous parlions de la question de la position politique vis-à-vis de l'aide étrangère. Donc en français, c'est le début est toujours sur le même ERN et en Khmer, et en anglais, c'est la page suivante. Anglais, donc en Khmer, 007-2-4-5-9 et en anglais, 00-4-1-3. Voilà ce qui est dit. Statut des aides de la Suède et de la Yougoslavie. Sur le plan politique, on accepte des aides des pays étrangers qui ont un statut indépendant, qui ne sont pas soumis aux États-Unis et à l'Union soviétique. Ça se poursuit sur la page suivante en français. Grâce à ces pays, nous avons du pouvoir sur le plan international. Les États-Unis veulent nous opprimer. Il est de même pour l'Union soviétique qui veut nous opprimer par le biais du Vietnam. Nous avons donc besoin des amis dans le monde, les amis qui n'ont pas de traces de clans. Un petit peu plus loin sur la même page, au point numéro 2, et je terminerai avec cette lecture fastidieuse. La conclusion, c'est en nous basant sur ce concept, donc, point numéro 2 pour les interprètes, en nous basant, alors c'est vrai qu'en Khmer, il y a un nouvel ERN, 0-0-7-2-4-6-0, ERN en anglais 00-4-2-4-1-1-4. Et donc voilà la conclusion. Ces pays disent que leurs aides ne sont pas soumises à des conditions, mais n'importe quelle aide ne peut s'y soustraire. Ils souhaitent bénéficier en retour de l'influence ou de notre appui. Mais ceci n'est pas un problème. Ainsi, ce qui sert et bénéficie à notre révolution, on peut accepter, nous les en remercions. Vient ensuite une description, toujours sur le même ERN, et en français, ça se finit sur l'autre page. On explique que les aides de la Suède serviront à l'achat de matériel et que les aides de la Yougoslavie serviront à l'achat du médicament. Est-ce que ce document est un document dont vous aviez connaissance? Est-ce que la position telle qu'elle est reflétée dans ce procès verbal de réunion qui est de dire on accepte de l'aide en fonction des pays pour être sûr de ne pas être dépendant, de ne pas avoir à subir de pression, est-ce que ça correspond à ce que vous avez pu étudier de la période? In broad terms, yes. Monsieur le Président, je vois qu'il est bientôt 3 heures. Je passe à une autre ligne de questionnement. Si vous voulez marquer la pause, je suis à votre disposition. Merci, Monsieur le Président. 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 Merci, នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3:20 នាទីសម្រាប់ចុះ